Salut à vous tous, les petits gars, on se retrouve sur Pasta Rocket, c'est Exien et je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour cette troisième vidéo de Dust an Elysian Tale. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la fois dernière? Bah écoutez, on avait entrepris une quête d'aller trouver un village, ce qui est extrêmement compliqué. On s'était frayé un chemin au travers d'une forêt et nous voici dans ce village. Où là je viens de récupérer une toute petite quête. Alors attendez, parce que j'ai plus trop l'habitude de jouer à ce jeu. Le maire qui était juste à côté, que je vous remontrerai juste après, m'a demandé d'aller à l'est, donc comme c'est écrit, dans la forêt d'Abadis, pour trouver le chef des monstres qui attaquent le village. Et vu qu'il était question d'aller se foutre sur la gueule, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Alors avant de quitter le village, on va juste passer un petit peu de temps parce que j'ai vu que je pouvais encore grimper par là. Et ça tombe bien puisque nous avons un coffre. Hop. Bon bah maintenant ça devient plutôt facile pour nous. Voilà, donc j'ai bien fait d'y aller. Je vais vite fait lui parler, je vais pas trop regarder ce qu'elle me dit, cette petite. Mais je vais quand même lui parler parce que si toutefois elle me débloque une quête. Eh bien, ça sera déjà ça de fait. Donc, Colline. Bon, elle a perdu son chien ou un truc comme ça. J'ai bien fait de prendre ça. Colline est à la recherche de son frère disparu, Corbin. Ou Corbin, comme vous voulez, hein. Elle prétend qu'un certain Gianni au village d'Aurora sait où il se trouve. Ouais, mais le problème c'est que je m'en fous un petit peu quoi. Là, j'aimerais vraiment aller foutre sur la gueule à des mecs. Donc là, pour l'instant, bah, la petite Colline, on va lui laisser ses yeux pour pleurer. Alors, lui, c'est qui? Ouais, c'est moi. Bah, pff, la transmission pensée. Allow me to introduce myself. Super. In so many words, yeah. Bon, écoutez, j'ai pas trop envie de 5 peaux de gnome. Ok. Bon, du coup, c'est l'endroit où on récupère les quêtes. Fail souhaite améliorer l'armure portée par les gardes de la ville. Rapportez-lui 5 peaux de gnome pour l'aider. Et je crois que je viens de grimper de level, donc c'est super. On va aller tout de suite. On va aller tout de suite augmenter tout ça. Alors en attaque, je suis déjà à 3. Je vais mettre le dernier. Voilà. Parce que je voulais voir ce que ça donnait. Mais a priori, ça ne donne rien du tout. Je voulais compléter en fait un slot de 4. Et puis écoutez, on va continuer. Sortir un peu de ce village. Ah d'accord. La clairière, bon ça c'est ce qu'on a fait avant, 87%, 75% de trésor. Forêt d'Abadis. On va un petit peu avancer dans la forêt d'Abadis. Je couperai, enfin je ferai en off le reste du village. Parce que j'ai pas envie non plus de vous imposer ça. Je veux vraiment que l'on puisse avancer dans l'aventure. Un monde de terreur. C'est la forêt d'Abadis. Allez, un petit checkpoint. Je vais juste regarder les gens si je peux revenir. J'ai rien foutu, que je suis déjà à 5%. Ouais. C'est pas beau ça. Ouais, je veux aller là-dedans. Je veux aller là-dedans. Allez, c'est parti. Crachat mortel. On peut pas passer à côté. Ok, prends-toi ça dans la gueule. Bon, si vous trouvez que je suis un peu trop vulgaire, n'hésitez pas à me le dire. Bon, je vous garantis pas que des fois ça sorte pas malgré moi. Hein. Facile. Bon, on va continuer. Crachat mortel.
Par contre, je sais pas si vous avez remarqué si je chopais des pots de gnome. Parce que là, pour l'instant, ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout. On va continuer quand même là. En fait, à vrai dire, je sais même pas. Je sais même pas à quoi ressemblent les gnomes dans ce jeu. Enfin, vous allez me dire un gnome, c'est un gnome, pardon, c'est un gnome. J'ai vu, terre, je m'étais bien envolé là. A priori, ça le fait que quand j'ai des ennemis. Je vais quand même regarder. Personnage, on s'en fout. Quête. Ouais, rapportez-lui 5 pots. Bon, a priori, j'ai pas encore. Hein. Non. Oh, dis donc, j'ai un schéma pour code de maille légère. C'est bon, ça. Il faut deux étincelles. Putain, j'avais lu deux étincelles de fion au début. Bon, bah, on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'il me faut, là? Super, j'en sais rien. Bon, allez, on va continuer. Oh, la mémère m'a trouvé un trésor. Allez, crachat mortel. Regardez ça, si c'est pas beau. Je m'envole, je m'envole. Alors, hop. Ah, c'est chiant, il y a plein de passages, là, du coup, je vais pas arrêter de me faire des allers-retours. Oh, mais regardez ça, si c'est pas joli, là. Crachat mortel. Échoppe approvisionnée, ok, super. Bon, vous voyez, je suis encore un petit peu léger en attaque, là, pour l'instant. Je pense qu'on reviendra un petit peu en arrière, parce que je vais avoir oublié le coffre. Ouais, bah non, la fois, il est là. Oh, putain. En noix de luta, là. Vous pensez que je peux le mettre à bouffer, ça? 42 santé, magnifique! Je peux pas descendre là. C'est chiant parce que ça consomme de. Vous voyez tout en haut à gauche, ça consomme la sorte de mana. Alors là, je ne comprends pas comment je fais pour monter tout seul. Je pense que c'est lié au fait que j'ai des ennemis pas très loin de moi. Je faisais un petit crachat mortel là. On va envoyer du lourd. Je suis en train de... Ah merde! Je suis en train de louper toutes les pièces. Ah, il y a une échoppe. Super. Je vais regarder ce que je peux y faire. Bon, ça on a déjà. Ça on a déjà. C'est quoi sa poussière de lance? Non, je pensais que c'était les fameux trucs de fion dont j'avais besoin. Là. Gilet en coton. Bon, y a rien qui m'intéresse. Hop. Bon, je viens vite dans le rouge là. J'ai l'impression que là, les amis, on est en train de se diriger vers un endroit qui est pas hyper sympa. Parce que là, vous voyez, le temps commence franchement à changer. Ouais, bah non, en fait, ça y est, le beau temps est revenu. Et c'est pas pour me déplaire. Alors, hop. Oh là là. Oh là là. J'espère que vous entendez pas trop la manette. Je vais juste regarder un truc dans le menu. Non, j'ai toujours pas fait. Bon, bah on continue, ma foi. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a avec ça, là? Parce que le problème, je sais pas si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo... Oh, mais attendez, il y a du monde, là. J'avais eu un peu de mal en fait à ramener ces espèces de bombes. Bon là j'ai tout fait péter, là je suis pas venu là pour enfiler des perles.
lui, on va lui casser la gueule. Crash mortel. Bon, je pense que c'est pas très très... s'écarter, pas très très utile. Alors, à votre avis, où est-ce que ça pourrait péter, ce truc-là? Bon, ben on va... On va essayer d'emmener ça comme ça. Ouf! J'ai pris cher ou quoi? Crash mortel. Bah, je commence à faire bien mal. Là, pour être honnête, les ennemis, c'est pas vraiment une difficulté pour le moment. Bon, là, je crois que je peux toujours en rien faire. Ça, c'est assez chiant. Il y a un checkpoint, super. Mais je sens que c'est pas du tout... Enfin, c'est le bon passage, mais disons que... Je sens que je suis en train de passer à côté de plein de choses. Ouh là là! Enfin, on commence à avoir... chaîne brisée, sympa. Je vais vite bouffer un petit fruit rachitique. Je vais m'en remanger un deuxième parce que on n'est jamais trop sûr. Ah, les gros là, ils frappent très très fort. Il n'y a pas besoin de se prendre énormément de coups. Je sais pas, méchant que ça pue là. On va utiliser un petit crash à mortel. Allez, viens là, toi. Ça sent le boss. What's the matter? I'm afraid of the dark? I laugh at the dark. Wait, heights? How's that? Bon, on va essayer de passer. Eh ben non. Faire un petit peu de combat. Ah ouais, 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 je m'en rappelle. Ok, ça c'était le contre. J'ai eu du bol quand même parce que je me souvenais plus trop... Enfin, je me souvenais qu'il faut appuyer sur X. Mais j'étais plus sûr de... Crash mortel, j'étais plus sûr de du moment où il fallait appuyer. Allez, toi, prends-toi ça dans la tête. Bon, je vais encore consommer... Et je faisais un peu le kéké, là, d'un seul coup, ça vient de se... Ça vient de s'intensifier. Bah alors ? Et heureusement que j'ai le crash mortel. Ah, c'est là, je... Ah non, ça va, il m'a pas mis de coup. Petite pierre de compétence, on va vite aller se prendre un truc. On va prendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Fidget? Faut dire, j'utilise pas tout le temps le... Ah ouais, mais il y a la tornade. Non, bon, on va se prendre ça. Obligé, les gars, obligé! Je pensais que c'était que les crash mortels. Ah merde, je pensais qu'il allait avoir un ennemi. Ah ça, ils ont du mal à s'en remettre, hein. Le crachat mortel avec la tornade. Ah merde, je suis passé à côté, dommage. Allez, prends-toi ça, toi. Je fasse attention parce que je suis à deux doigts de m'en prendre une pleine tête. Là, je sens la manette qui vibre. Alors, je pense que c'est vraiment lié aux ennemis, parce que vous voyez, des fois, j'arrive à bien monter dans les airs, et à d'autres moments, pas moyen. Alors, encore un petit lot d'ennemis. Amène-toi, mon pépère. Prends un peu, ils m'ont metté une par derrière. Oh, des nouveaux ennemis. Ça fait pas de mal. Quand je m'envole avec ces ennemis, c'est incroyable. J'irai décrocher la lune. Bon, ok, c'était nul. Crash mortel. Allez.
On continue, les gars. On va essayer d'avancer encore une ou deux minutes. Et puis moi, je vous dis, de mon côté, en fait, pour la prochaine vidéo, là, il y a le checkpoint. Pour la prochaine vidéo, ce que j'essaierai de faire, enfin, ce que je ferai, c'est que je retournerai au village et j'irai récupérer les quelques quêtes. Ou alors, je ferai une ou deux petites quêtes annexes, comme tout à l'heure avec Colin, là où il fallait récupérer, je sais même pas si c'est son chien, on va dire. Mais on ira faire ça. Ça, je me ferai un petit peu d'XP. Et puis ça m'évitera de passer à côté de trop de quêtes. Et j'ai pas non plus envie, je vous dis, de vous gaver avec, avec des quêtes annexes. Hop. On va continuer un petit peu. Là, il y a du monde. Crash à mortel. Si je combine les deux, là, ça devrait faire mal. Ah, ça commence un peu à taper, là. Oh là là! Où est-ce que je me suis retrouvé, là? Bon, là, c'est qui tout double. J'ai plus de vie. Je vais quand même tenter. Ah, d'accord. Ça taquine, les gars, ça taquine. Allez, on va quand même essayer de lui rendre la parole à cette petite là. Échoppe approvisionnée, ouais, ok, mais je pense qu'il y a du truc à faire péter là par là. Ah oui, mais c'est vrai, elle peut plus cracher. Un peu de fruits rachitiques. Serais-je arrivé à un nouveau village? Oh là là, non. Bon, est-ce qu'elle peut recracher? Ouais, super. J'ai encore plus de vie, mais c'est pas vrai, ça. Je suis une burne. Ouais, y a pas à chier, quand même. Le jeu est franchement beau. Je suis en train de me rendre compte que je n'arrête pas de dire des grossièretés. Donc veuillez m'excuser. Ouais, bah nickel ça. Petit coffre qui va bien. Allez, on va continuer jusqu'au prochain checkpoint. On a chopé des bretzels, les gars. Alors, hop. Ah, mine de rien, à un moment donné, c'était un peu plus la lutte niveau XP, et là, c'est bien reparti, parce qu'on aura pu voir dans cette vidéo que j'aurais déjà pris deux levels. Là, rien d'extraordinaire. Hop, on va continuer. Mince. Allez, on va faire un petit crachat mortel vite fait. Ça y est, je vais commencer à appuyer comme un fou sur la manette. Ah, il y a du monde là. On va faire un crachat mortel avec la tornade. Je ne sais pas si j'ai récupéré de la peau de gnome telle que ça m'était demandé. Oh, super, petite clé. Petite clé qui va bien. Oh là là, mais c'est le bordel, les gars. On peut aller partout, en fait. Bon, il y a un checkpoint. Écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on est déjà à un peu plus de 20 minutes de vidéo, puis j'ai pas non plus envie de vous gaver au début du jeu avec des vidéos qui font 50 minutes. Si toutefois, c'est quelque chose qui vous plaît, bah, je suis pas... C'est pareil, je suis à votre écoute, hein, y a aucun problème. Et puis bah moi, bah comme d'habitude, je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Ce coup-ci, je vais pas vous dire de vous abonner à Pasteur Rocket, même si c'est fait. Et puis en tout cas, portez-vous bien. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, amusez-vous bien. Allez, à ciao, bye.